Alors, dans cette vidéo-là, je devrais vous montrer rapido presto qu'est-ce qu'a l'air la jungle si les bots ne s'interfèrent pas trop dans ma jungle. Je vais essayer de les montrer, faire le tour de la jungle vite vite. Montrer peut-être où on pourrait mettre les wards. Vite vite. Allez. C'est tout des bots, les pics devraient se faire instantanés. Comme ça. J'aime bien le changement, la passe du draft au loading. Comme plus fluide. Alors ici c'est la passe de la grosse jungle à la petite jungle. Jump. J'ai du temps. 30 secondes, j'ai le temps. L'inverse, on peut pas le faire. On peut pas passer de la petite à la grosse. Ici dans la grosse jungle, vous avez les deux camps ici. Plus un autre là. L'autre fois, j'ai essayé de partir avec le. Non, je vais repartir avec le passif. Normalement, je pense que. Je voulais essayer de partir avec le cul, là, mais. Pour le bienfait de la cause. Partir avec ça. Normalement, j'aime bien quand le support vient aider au début pour faire le jungle buff en partant. Ça permet de le faire rapido presto, donner un bon boost. Arn. Ah, ouais. Solane va venir interférer dans ma jungle. Pas pire, c'est moi qui ai pogné le facet. Hein. On est à 2 minutes 50. 2 minutes 50, comme là, je pourrais virer honnêtement puis aller voir tous les buffs dans le river. On va essayer d'en sécuriser un. Ça vient de spawner, ça spawn à 3 minutes, vient de spawner direct là. Un black buff. Ça va donner du damage over time sur le player. Donc là, j'ai pas mon jump. C'est arrangé avec ce qu'on a. Hey, il y a 3 bots. Ça va coûter cher, ça, je pense. Peut-être défendre sa lane. Les risques et périls. Les risques et périls, en esti. Hey, comment que les jumps. Hein? Vous voyez comment les minions sont cons. Même le CPU m'a suivi jusqu'en arrière de la tour. Étant dit, on va
aller continuer. Je vais refaire ma grosse jungle. À 4 minutes, les raptors viennent spawner. Je vais pas le montrer tout de suite. C'est le buff qui est à gauche. Il était probablement sur le lane. J'ai jumpé de là tantôt. La petite crack dans laquelle j'ai jumpé pour aller au. Il y avait le river buff. C'était là, le star. C'est style. Moi, il a pas volé. Là, j'ai levelé mon right click, mais si j'avais pas l'intention de ganker, mettons, récemment, et tout, j'aurais pu mon passif. Ça allait péter. Ouh, je sais pas si je vais avoir le temps. Si vous avez le prime buff va être là. L'autre river buff, qui est vraiment OP, invisible. Si l'autre équipe a pas de ward, passe complètement inaperçu. Je vais me dire un autre qui va backer. Ah, one qui me pose dans le... Ouais! Là, t'iras peut-être bon. Dans son fucking slow. Et t'en as steel! Oh, c'est qui est con! Que je. Elle est question. Bon, en fait, je vais plus tout de sauter en train de jouer la game. Bien peinard, je vais te montrer du stuff. Hein. Alors, je retourne dans la jungle. Je vais vous montrer peut-être les endroits, les meilleurs endroits où est-ce qu'on peut mettre des wards. Quand tu joues de son côté, du côté orange. Midlane, je vais pas mettre. Il n'y a pas de midlane en ce moment, fait que je vais profiter. On a le côté sombre. C'est bien d'aller mettre une ward ici. Souvent le jungler là, va faire un early gank en se mettant là. Je sais pas comment il saute là. Je pense que c'est exactement quoi. Ah. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup. Ah ben tu peux arriver par la river. Il y a beaucoup de junglers qui se mettent ici puis ils vont ganker level 1 le mid. Ils vont être là, ils vont virer, ils vont attendre qu'ils arrivent. Surtout avec un rampage là, tu lènes ta rush et ta kill. C'est bon. Allez, chance. Aïe. Pour la duo lane, ça c'est ma duo lane. La T1 est tombée. Normalement, c'est la T1. Avec la gold buff qui est là. Important, ça serait important d'avoir une ward ici. Et vous pouvez la mettre juste là. Juste l'autre côté, comme ça vous allez accès de voir par là. Et si le jungler arrive dans le river, ben, il va la péter parce qu'il va être familier. Donc. Allied Tower is
Ouais, c'est parce qu'il peut arriver par sa jungle, il va probablement arriver par la jungle. Donc, faut en mettre un ici. Et faut en mettre une deuxième ici. Idéalement. Dans le milieu. Dans le milieu du chemin, c'est bien important de la mettre dans le milieu du chemin et non juste là. Parce que les wards ne voient plus derrière les murs. Dorénavant. Donc, c'est bien important de bien placer les wards. Alors, la placer dans le milieu du chemin pour qu'ils ont toutes les côtés. Alors, pour la dual lane, c'est ça. On va la mettre une ici. Et l'autre, comme j'ai dit, juste là. Également. Moi, ce que je voulais essayer. Ah, là. Je vais me battre contre elle vite vite, là. J'espère qu'elle me tuera pas. Moi, je voulais voir si une ward au prime ça marcherait en haut là, pendant que je peux. Ah, oh, shit, j'aurais pas à mettre. Ok, hein, j'ai pas à mettre au. Pas pire. Okay. Puis j'ai vu qu'elle. J'ai pu la mettre en haut. D'après moi, elle donne la vision dans le pit. Ça serait à tester, là, mais d'après moi, elle donne la vision dans le pit. Je vais en revenir. On l'a vu pendant un bref instant. J'ai pu la mettre juste en haut ici, sur le rebord du mur. Ça va être une très bonne ward. What else? Ici c'est notre lien d'angle, comme vous auriez dû. Ah. Même moi je me perds! J'ai juste de regarder ma minimap. En fait, il a vu, je tourne à droite. Je vais vous montrer comment voler. Je vais aller sur celui à l'adverse. Je sais pas s'il y en a dedans. Ouais, il y en a dedans un peu, tu vois. C'est juste en tapant dessus comme ça, là, ça vient d'enlever ce qu'il y a dedans, puis ça m'en donne à moi. Ce qui est bon à savoir, vous pouvez prendre aussi les jumps adverses. Dans leur jungle, ça marche aussi. Oh shit, par exemple, je savais pas que la tête. Quand tu t'escapes, c'est bon. Il y a une de mes games, tantôt on l'a vu. Genre le Greystone, si t'as un jump, tu peux te servir du petit gap ici pour aller quand le monde te court après. Ou, comme tantôt, j'ai attaqué la T2 dans une de mes games ici. Et après ça, je savais que le monde allait rotate sur moi. Hein, qui arrivait derrière. Fait que je suis parti ici. J'allais me cacher en haut. Il y a des milliers qui me courent après, au moins ils me verront pas tout. Quand sur le point comme ça, je verrai pas. Je viens de voir quelque chose. Je crois si on peut sauter là. Avec un dash, peut-être. Je sais que Rampage là, il peut monter à peu près partout. Rampage peut se mettre là en haut. J'ai vu Non, c'est Undead Pilot qui arrêtait pas de le faire, c'est ça. Undead Pilot, là, elle a pas de se cacher des places comme ça dans la map. Ils ont à peu près tout est. Ah fuck. Qu'est-ce que je peux faire ça? Quand t'es sur la solo lane, t'es ward, t'as mis. Juste ici, c'est correct, hein, c'est le bas du mur. Là, à terre. Le mid lane, c'est bien important d'être wardé. Mon mid lane, mettons, de ce côté-ci. Côté light. Puis encore en ligne, maintenant. Mid lane, côté light, je pense que tu peux te warder là. Là, tu vas voir le buff puis qui arrive de la jungle ici. Bon, ben, je confirme, ça donne pas de CXP aussi, l'arnaque. Tu vas mourir là. Juste s'il me manquait genre un CXP pour leveler en gold, puis j'ai pas eu en fait. The River Bath.
pas différent, je vais passer plus par la petite jungle. Vous voyez un peu, déjà un peu ce que ça a l'air. Trouver quand vous arrivez dans la jungle. Mon petit camp ici, j'ai l'autre camp de la solo lane ici. La solo lane là, peut faire ce camp là aussi. Des fois tu protèges ta tour, tu peux aller faire ton camp. Le solo laner peut le prendre celui-là. Pour aller chercher de l'XP. À tenir, à suivre côté goal. Dans le jungle adverse, ça revient exactement. Ça ici, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a souvent des fights proches du green buff. Et les carry, tu peux te promener là-dessus et essayer de distancer les mille. Je vais prendre le green buff pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, j'ai le gros shield sur moi. Ça reflect du damage sur les autres targets. Mettons que je fais ça. Il va exploser. Je vais laisser me taper là. Vous allez voir, quand j'arrive plus de shield, il explose. Ça fait quand même pas mal de dégâts. C'est intéressant, comme je dis, on peut le mettre sur un carry, sur quelqu'un qu'on va protéger ou sur quelqu'un qui initiate. Il va se faire taper dessus. Alright! Évidemment, je suis pas farmé là. Je peux juste me promener dans la map depuis tantôt. Pendant de réfléchir à ce que je pourrais vous montrer vite vite d'autres. Oh. Je vais aller dans le. Quel Prime, le Prime est spawné tant que j'ai passé. Je suis pas là, genre. On va me promener autour d'eux. Ça va arriver souvent que vous allez avoir besoin de vendre une. Bon, acheter. Vendre une carte à 1 pour être comblé pour une thème à trop. Ça va être quand même assez avantageux d'avoir beaucoup de strike tokens, des affaires même. Si tu peux pas vraiment mettre ton upgrade dans. Pourquoi avec caméra, je peux être toujours right click. Hein. Je pense qu'on peut le faire 5 millions puis on peut pas. Oui, bon, Blue Buff, je l'avais pas montré ce que ça va donner. Regardez mon movement speed. J'ai augmenté de 25% pendant. Pas 25. Exactement. Là. Le Blue, c'est 100%. 100. Ben, plus 100 de movement speed pendant 25. Inverse. Nombre de secondes que j'ai. Alors le Prime c'est un petit peu plus renfermé qu'avant, tu sais, vous avez l'équipe qui le fait, t'as pas vraiment le choix d'être dans le pit. C'est quand même facile d'arriver, t'es sûr qu'ils sont pognés dans le U là, pendant que t'es fight. Ce résulté à peu près dans ce coin là. C'est trop facile de s'échapper avant, puis là ça, il y a plus de place où tu peux blink out là. C'est vraiment, c'est juste si tu réussis à t'approcher là, mais tu peux blink dans le river pour aller là. Plus directement. Mais tu peux pas passer directement entre les towers à moins d'avoir un jump là, tu peux aller en haut. Ça peut être une ward qui peut être pas pire à la fin quand tu sais que. Quand tu défends là, pis tu sais que l'ennemi va passer entre tes towers, tu peux en mettre une en. Je parlais à Barnac au début, je croyais que les towers étaient proches. Regarde même sur les sidelines, la T2 pis l'inhib là. Regardez la distance, il y a à peu près. Ok, la distance de deux champions. Un rampage. Deux caméras, un rampage.
à mener. Rampage en haut ici. Dans une des games, j'ai vu Rampage en haut là. Pas de quoi. Ah bah oui, ok, elle est par ici. Okay, ça se pas fait aussi. Pas nécessairement obligé de faire le tour. Quand tu veux, quand ils sont en train de CJ la tower, là, tu peux t'en venir ici puis sauter dans le tas avec un steel ult ou quoi que ce soit. C'est bien. Vite fait, une dernière chose à montrer. Je pense que je vais arrêter cela après. Là. Le tour, j'essaierai de trouver dans d'autres vidéos d'endroits où vous avez des guettes. Pour voir quelque chose de particulier. Mais ici, c'est à duo lane. Des fois, ça peut être un endroit si tu veux t'enfuir. Tu mets toi ta T1 à fête ou je sais pas trop quoi. Tu peux monter les marches puis tu peux t'en aller direct dans le jungle. Même sur le bord de la river. Même tu peux pas vraiment t'en servir de te cacher. Par contre, on voit pas grand chose en bas. Mettons que ça se fêterait ici. C'est des marches peut-être là, mais pas grand chose. Alors, tu te fies à ta mini. Hein? Je pense que c'est pas mal ça. Et comme ça. Je sais qu'on peut mettre des wards late. C'est sûr que c'est encore mieux si tu peux aller apporter l'autre bord là. Ah, le camp de Raptor, hein, pas passé tantôt. Bon là, je vais vous donner une petite idée comment il frappe fort là. À la fin. Fucking caméra là. Vous voyez à quel point je me fais démonter. Même pas descendu à moitié. Call point là. Dans la 16 call point là, j'ai même pas descendu au... j'ai descendu au corps. Une autre affaire qu'on peut se servir pour s'enfuir ou quoi que ce soit là. Pensez ici. La petite craque est là là. Si tu joues Gideon, Greystone, peu importe là, ceux qui peuvent sauter là. T'es mid lane, t'es mal pris, tu t'enfuis, tu te fais cut dans river. Si t'es du côté Raptor là, hop! Saute dans la craque. À part ça, ça fait le tour, vite. Oh my god, non. Je cherche un petit kill. Le buff, il dure, là. Le purple buff, 40 secondes en Shadow Plane. J'avais pas regardé. Pogné. Pas trop hard. Ça va être bien important que vous regardez le petit document que vous envoyez là. Dans Dieu qui a fait ça, c'est vraiment OP. Il a pris tout son temps, toute la fin de semaine, il a à peu près pas joué en PvP. Il a quasiment juste fait des bot games juste pour monter le document, aller recueillir toutes les statistiques. Il a fait un travail de moine, mais vraiment ça coche. Hein. Vraiment bien complet là. Je vais arrêter cette vidéo là ici. Là, on va commencer notre...